Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, voire très bien, pour ce week-end samedi 4. Alors, un petit tour rapide sur les énergies. Eh bien, les choses s'éclaircissent. Peut-être que le soleil aussi arrive, ça peut rayonner. Alors, on voit des boucles, des choses qui tournent. Pourquoi je vois du feu un petit peu là? Il y a un conduit qui n'est pas nettoyé dans les cheminées. Ouh là là, attention, franchement, je l'entends. Il y a un truc qui s'encrasse, donc on va faire appel peut-être à quelqu'un de professionnel pour nettoyer aussi tout ça. Alors en tous les cas, on va aussi dans un bon secteur, dans un bon domaine, sur le cadre professionnel on avance, il y a une belle expérience, ou alors on prend un recul, mais l'équilibre se fait par rapport au travail, on a une meilleure vue d'ensemble aussi, hein, c'est possible. On peut peut-être aussi aboutir, obtenir une promotion, ou voilà, en tous les cas, quelque chose de bon s'instaure, et puis ben, un petit peu de bonheur, hein, ça fait plaisir. On a plus de clarté, on a de la connaissance, il y a peut-être un potentiel aussi qui se rajoute dans le corps du travail. Une promotion, c'est possible aussi. Alors, on est dans le cadre de la maladie actuellement pour une personne, peut-être qu'elle est en arrêt de travail aussi. On voit que bon bah on vous met en arrêt de travail parce que bah, voilà, les lumières sont faites, vous êtes donc arrêté. Voilà, on tombe malade. Et puis ici, on comprend que bien, ça fait partie. Voilà, c'est pas voulu. Hein, si vous êtes malade, peut-être que vous avez une grippe, peut-être que bon, bah, c'est un arrêt, c'est pas grave. Vous avez appelé ou une personne a appelé le travail, sa société, et en disant bah, je peux pas venir aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Je suis en arrêt de maladie. Alors, les conséquences, c'est que quelque chose va quand même se transformer, va s'établir. Alors, on pourrait s'y parler peut-être dans le travail, peut-être qu'il y a un couple ou une personne qui est tombée malade, ou dans le monde professionnel, où on a de meilleures lumières, peut-être aussi la santé d'une entreprise, et on voit qu'elle... c'est un peu tangible, il faut changer tout cela, il faut transformer tout cela, vérifier un petit peu les maux du passé, pour éviter et ajouter quelque chose de meilleur à l'heure actuelle, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, et pour faire remonter le cours hein, de l'activité du travail professionnel. Hein, voilà. Donc pour soi, c'est pareil, hein, même si on est tombé malade, etc., on veut aussi peut-être savoir pourquoi, peut-être qu'il y a une relation dans le couple, on a attrapé une maladie les uns des autres, quelque chose de contagieux, peut-être de viral, enfin un microbe ou autre. Bon, ben voilà, on y pense. Hein. Alors, quelque chose va progresser, bien évidemment. Alors, il faut passer par là, hein, ça c'est clair. Donc, il y a peut-être soit une progression dans la maladie, ou alors la maladie s'impose encore un peu plus et ça brouille les pistes. Alors, dans le domaine du travail, c'est pareil, hein, il faut mettre les bouchées doubles pour éviter, pour limiter peut-être des dégâts. Donc, voyons voir dans l'analyse, et c'est un problème. Alors, ce qu'on peut aussi voir, c'est jusqu'où ça peut aller. Si on continue à ce rythme-là, on comprend que là, on fonce droit, tête baissée, on casse tout, l'entreprise se casse la binette. Là, soi-même, on est malade, on est peut-être... Enfin, là, le corps subit, hein, on est... Ça monte, la maladie est assez importante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est ça, c'est rester dans le cadre de la santé, hein, prendre des forces. L'objectif est là. Hein, on a la campagne, la santé, c'est d'abord, il faut savoir se requinquer. Et donc, eh bien, c'est pareil, les outils, on les a normalement, mais il s'agit bien de prendre un regain de santé et de nature. Donc si on a une entreprise qui se casse la figure, eh bien c'est la même chose. Cette entreprise a besoin de reprendre en force et donc une bonne santé. Voilà, c'est facile à dire, mais par rapport à l'analyse, on a compris que si on continue dans ce chemin-là,
on casse tout. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Est-ce qu'il vaut mieux pas faire un stand-by? Normalement, on a les idées claires et on est censé savoir quoi faire pour éviter le pire. Donc l'action, le travail à faire, c'est ça, c'est prendre des décisions, mais il faut aussi savoir trancher, il faut aussi savoir s'arrêter, il faut aussi savoir connaître ses limites, le raisonnable à faire et à ne pas faire pour trouver un équilibre, hein. C'est ça. Alors soit on est aidé, on demande de l'aide, parfois c'est important, aussi d'être aidé quand on est malade. Une entreprise, c'est pareil. On peut aussi demander parfois, on se dit, ben, là, j'ai besoin d'aide pour continuer à, pour la santé de l'entreprise. Sans ça, c'est pas possible. Donc, on est aussi peut-être obligé de se défendre, d'expliquer pourquoi l'entreprise est en train de se casser la figure. Et voilà, on va mettre les bouchées doubles et on se prépare ce week-end peut-être à écrire, à décrire, à alerter, à mettre les choses en place, hein, pour ça. Donc, l'occupation, ce qu'il faut, hein, c'est clair, c'est l'investissement, de l'argent, c'est s'investir, il faut s'investir et il faut investir. Donc, on va chercher, on va trouver et on va obtenir très certainement de l'argent par rapport soit à la maladie, donc on va être rémunéré, on peut se retrouver malade et puis en attendant, les choses vont se mettre en place, hein, ça va s'établir. Pareil pour l'entreprise, elle va être sauvée, donc il y a une solvabilité et il y a un gain. Donc on peut aussi peut-être avoir, alors on n'est pas en rupture, hein, de travail, mais quelque chose dans le monde du travail, peut-être qu'il y aura eu un problème, justement un accident de travail, là, on gagne, hein, il y a un gain de cause, donc le résultat est plutôt positif si vous étiez dans un... là on voit infortune, maladie, infortune. Alors s'il y a eu un accident de travail, le procès, c'est vrai qu'il n'apporte pas, hein. Pourtant on est dans la finance, hein, ce qui sera fait, on voit qu'il y a de l'investissement, alors peut-être qu'on aura investi, mais on ne gagne pas, hein. Donc tout ce qu'on a, c'est une forme d'amour, l'amour personnel, l'amour de soi, ce qui est juste, et la santé à retrouver ou à obtenir, hein, voilà. C'est ça, parfois on n'a pas le choix d'avancer. Alors on peut être une personne riche, mais on peut ne pas avoir de chance par rapport à la maladie, hein. C'est ça qui cause un dégât. Donc on voudrait aussi peut-être, on va peut-être créer une entreprise, mais on voit que ça ne marche pas, ça ne marche plus. Il faut transformer les objectifs, voir autre chose, hein. Peut-être tourner la page. Mais voilà, donc normalement le côté, il y a quelque chose quand même de positif, c'est, il y a eu de l'expérience, on a fait, c'est la vie, ça suit son cours, ça s'arrête parce que ce n'est plus une entreprise qui est faite pour. Peut-être qu'on parle aussi des énergies renouvelables ou des anciennes énergies, eh bien ça ne fonctionne pas, il faut passer à autre chose. Voilà, je vous dis à très vite.